chose au gars. On dirait que tu veux me dire quelque chose d'important, mais je n'ai pas le temps de jouer aux devinettes. Je vais emporter tout ça au broyeur de déchets. Merci d'essayer de m'aider, mais je contrôle la situation. Oh, ça ne marche pas. Il faudrait vraiment que nos drones apprennent à parler. Ou qu'on apprenne à ton père à parler le drone. On doit le rattraper. Il ne reste pas beaucoup de temps. C'est mon DJ et ses amis. Maman, on a besoin de passer, c'est urgent. Impossible, mon grand. Hey, vous allez devoir attendre que je traverse le pont. Oh, mais on peut pas attendre. Ou ce sera trop tard. J'ai fait une erreur et il faut que je me rattrape. On ne peut pas pousser le camion, mais vous pouvez peut-être le traverser. On a dit jamais d'erreur dans la distribution. Et tu nous fais quoi? Une erreur dans la distribution? Oh, je dois retrouver Ricky et récupérer l'autre colis. Il faut qu'on repère une moto à sauver. Zoom cam, action! Je ne vois personne qui a besoin d'être sauvé. Le coincé sur un lampadaire. Alors on va aller sauver ça. Accroche-toi, petit pneu. Ricky va te secourir. Pour commencer, je vais mettre la rampe sur la position la plus basse, histoire de m'habituer. Prêt? Attention les yeux. J'imaginais pas que ça rebondirait autant. Il a raison. Comment ça rebondit? Il faut que tu t'entraînes un peu, c'est tout. Excellente idée, Didier. Et la meilleure façon de s'entraîner, c'est de trouver quelqu'un à sauver. Suivez-moi. Les chariots traceurs. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, faites très attention, d'accord? Ma mère m'a nommé chef d'équipe, donc s'il y a un problème, ce sera de ma faute. T'inquiète, on fera pas de bêtises. Hein? Oula, non, mais ça, ça compte pas, ça. C'est bon, je m'en occupe. Hey! Oups. Désolé, Loup, ça compte pas non plus. Allez, on se concentre, on n'est pas là pour s'amuser. Vas-y, Scoutio, on t'écoute. Par quoi on commence? Il faut d'abord que je voie tout le circuit. Zoom cam, action! Rouleau en position et en avant. 1, 2, 3, peignez. 1, 2, 3, peignez. 1, 2, 3, tournez. 1, 2, 3, peignez. 1, 2, 3, peignez. Génial, fantastique, Loup. On se débrouille super bien. 1, 2, 3, peignez. 1, 2, 3, peignez. Attention, terminé. Et vroom, on a réussi. Waouh, t'as vu ce marquage? Il est trop beau. Ouais, on s'est bien amusé en plus. On efface tout et on recommence. Non, pas question. Je vais chercher ma mère pour lui montrer.
doit lui rapporter les chariots de toute façon. Passez vite, Scoutio. Wouhou! Même en tirant un chariot traceur, je vais plus vite que toi. Mais d'où viennent tous ces objets? Ils viennent d'un peu partout autour de nous. L'aimant doit être réglé sur sa super puissance maximum. Je me rappelle avoir appuyé sur ce bouton. Mais il est coincé. Et je n'arrive pas à le débloquer. Je vais essayer. Oh non, je n'arrive même pas à l'éteindre. Je peux pas l'arrêter. L'aimant est devenu hors de contrôle. Il faut vraiment trouver un moyen de l'éteindre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va le précipiter au fond d'un volcan. Pourquoi? Ça peut fonctionner. Peut-être qu'on devrait tout de suite le rapporter chez Maxwell. Mais sur la route, on doit éviter de pointer l'aimant sur des objets en métal. Je ne peux pas contrôler les mains. D'accord, je vais t'aider, DJ. Loup ne va pas louper. Et Scoutio est là aussi. Comment on va le conduire chez Maxwell? Il y a du métal partout. Allons bon, je ferais bien de fixer le ressort que j'ai perdu. Pour ça, je vais avoir besoin de ma petite clé. Oh non! Oh là là! J'ai besoin du signal de l'antenne satellite pour faire fonctionner ma tablette. Mais je ne peux plus le recevoir. Allez, fais un petit effort. Fonctionne! Ça, c'est sûrement à cause de l'orage. Elle est où, l'antenne satellite? Elle se trouve au phare du vent. C'est l'endroit le plus haut de tout Wilford. On ne peut pas y aller, le vent souffle trop fort. Je vais plutôt essayer de trouver le signal dans la rue suivante. Allez, maintenant, il faut que ça fonctionne. J'ai besoin de mes gadgets. Mes gadgets, allez. Wow, Scoutio a vraiment l'air énervé. C'est pas si grave s'il y a du vent. On pourrait quand même vérifier l'antenne satellite. Ça aidera peut-être Scoutio à faire fonctionner sa tablette. Allez, wow. Non mais vous voyez à quelle hauteur c'est? Oui ou non? Oh, c'est carrément au ras du nuage. Les gars. Ça s'appelle le phare du vent, parce qu'il y en a beaucoup. Je viens juste de comprendre. Allez, courage, on y est presque. Quand je commence à être nerveux, j'ai les roues qui tremblent. Est-ce que tu as peur en hauteur, DJ? Bien sûr que non. Moi, ce qui me fait peur, c'est tes gringolettes, la hauteur. T'inquiète pas, c'est facile. Et vais juste de regarder en bas. Allez, wow. Je dois surtout pas me retourner. C'est qui, les loups? Vous êtes toujours devant moi. Où est-ce que vous êtes? GPS, tu peux me dire où on est? Vous êtes au fond de l'eau. Mettez la bouée de sauvetage. Je sais qu'il y a quelqu'un par ici. Il bouge, mais je peux pas le voir. C'est parce qu'il est invisible. C'est pas grave, ça va pas m'empêcher de l'attraper. Bye.
Doug! C'était pas moi, je vous jure! C'était une moto invisible! Mes feux d'artifice! Oh, c'est fichu! Qu'est-ce que tu veux dire? Tu parles d'un ami invisible? Non, j'ai pas dit que c'était mon ami! Mais il est invisible et il fait du bruit! Dommage! J'avais un ami invisible il y a pas longtemps! Il s'appelait Bobilou! Ah! Bobilou! C'était un ami imaginaire! Oui, peut-être! Mais dans tous les cas, j'espère qu'il est heureux aujourd'hui! Libre son gâteau! Oui! Salut les amis! D'habitude, je ne livre pas les gâteaux, ils tombent trop facilement. La moindre petite passe peut les... Oh, Zouzou! Oh. Oh non, Zouzou! Je peux pas te laisser là-dedans! J'ai besoin de récupérer mon rôle doudou! Oh. En fait, j'ai changé d'avis. Je préfère mettre mon vieux klaxon à la place. Ouais, ce serait génial dans la capsule. Je veux dire, si je ne l'avais pas déjà enterré. Oh, tu as fait quoi? Bah, qu'est-ce qu'il y a? Voyons voir. Je suis quasiment sûre d'avoir caché la capsule en face de nous. Je me souviens très bien de cette pierre. Attendez! Je me souviens très bien que c'était pas sous cette pierre, mais de l'autre côté vers la barrière. Attendez! Non, en fait, c'est justement là que j'avais décidé de ne surtout pas l'enterrer. Loup, tu pourrais pas être un peu plus précis? Désolé, je vais essayer. Ah, ça y est, je me rappelle! Je l'ai enterré près d'un morceau de bois à côté d'une pierre et pile en dessous d'un nuage en forme de roue. Oh non, le nuage a disparu. Oh. Allez, venez, on va continuer de chercher. D'accord. On a regardé partout, tu te rappelles rien? Nous voilà, nous voilà. Laissez passer les rumbleurs. Maman, papa, qu'est-ce que vous faites ici? Quelle question, on va commencer à goudronner le parking. On ne reste jamais sans rien faire. Ça, c'est pas un vroom. Vroom! Voilà, c'est ça. Les amis, qui est la moto la plus forte à Wilford? DJ! 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 Prêt, c'est parti! Je fonce! Vroom! Venez, les amis. On va l'aider à tirer ce chat. Oh, poussez! J'en étais sûre. J'ai pas assez de force pour y arriver. Non, tu te trompes. Il faut juste continuer d'essayer. J'ai pas assez de force, c'est tout. Jamais j'y arriverai, ça sert à rien. DJ, est-ce que ça va? Le canon à méga ultra rayon fonctionne comme dans la bande dessinée, pas vrai? Allez les amis, je vais essayer encore une fois. Lui dire. L'important, c'est qu'il y croit. La deuxième sonnerie. DJ, il faut qu'on se dépêche. Il est temps de mettre ce char sur la route. Tu parlais pas du tout comme neuf. Il a même pas la même tête.
important. Hein? Mais attendez. Vous avez vu celui des vis et des boulons? Il y a un monde fou, vous ne voulez pas y aller? Les amis! Super, c'est l'heure de montrer notre invention à Madame Bagley. Non! Attendez! Ah, tant mieux, on dirait que tout se passe bien ici. En même temps, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Est-ce que vous avez cogné ma table? Elle est un peu penchée. Désolée, je l'ai un peu poussée. Allez, on fera mieux de retourner à notre stand. À tout à l'heure. Merci à tous d'être venus à notre journée des jeunes inventeurs. Ils ont fait un travail extraordinaire, je les félicite tous. J'aimerais maintenant vous présenter un projet particulièrement innovant. Deux de mes élèves, Scoutio et DJ, ont créé un accessoire absolument incroyable. Voici donc, sans plus attendre, la super proto-radio de DJ et Scoutio. Oh, tu as vraiment réussi à la réparer? Mais bien sûr. Que se passe-t-il quand nous allumons cette enceinte? Oh, dis donc, très jolie, ces petites lumières. Oh, je ne m'attendais pas tout à fait à ça.